Shalom, shalom à tous et à toutes qui suivent, à tous qui suivront cette émission. Que le Seigneur bénisse tout celui qui va entrer dans cette émission. Bien-aimés, commençons déjà à nous connecter dans notre émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Évangile précisément de l'équilibre qui est de jambes, la spiritualité et l'intelligence. Alors, bien-aimés, nous faisons notre entrée pour pouvoir manger complètement Jésus, comme on a l'habitude de dire. Nous voulons manger Jésus dans notre auditoire de Que la lumière soit. Et pour essayer de clôturer ces beaux sujets que nous avons commencé cela, et voilà, quatrième séance et la dernière que nous voulons vraiment achever, c'est ce beau sujet. Je nous dis tous que le Seigneur nous bénisse de partout où nous nous trouvions et je suis heureux de vous savoir tous parmi nous aujourd'hui pour manger ces très bels enseignements que nous commençons aujourd'hui. Ce sujet, c'est un sujet formidable, je vous dis. C'est vraiment un sujet formidable qui parle sur la reconnaissance. Et voilà, je nous attends que le Seigneur bénisse tout celui qui fait son entrée. La meilleure façon de contribuer dans cette émission, dans cet enseignement, c'est celle de décider de partager cette émission dans plusieurs réseaux, dans beaucoup de groupes, et partager avec les amis, prendre même le téléphone, appeler les amis, leur dire que d'être avec nous, parce que dans 2 à 3 minutes, on va commencer. Dans 2 à 3 minutes, on commence notre enseignement. Dans 2 à 3 minutes, on va démarrer notre enseignement. Mettons-nous tous à table pour pouvoir manger. Que le Seigneur bénisse les amis qui viennent dans cet auditoire. Je suis heureux de vous savoir parmi vous. Soyez bénis. Complètement bénis. Dans 1 à 2 minutes, je vais démarrer. Si tu n'es pas encore positionné ou tu n'as pas encore fait venir les autres, faites-les parce que dans 1 à 2 minutes, on va commencer. En plus, c'est la clôture, surtout ne fais pas rater les autres, c'est cet instant. Je vais clôturer aujourd'hui. On ne va pas continuer longtemps avec ça, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on va parler. Je crois que si Dieu veut, on va parler sur la jalousie la semaine prochaine. Mais là, nous voulons finir la reconnaissance. Que tout le monde, dans 1 minute, on va démarrer. Dans 1 minute, on commence. Je vais voir tout le monde être là, bien-aimé, chacun essaye de mobiliser un grand nombre de personnes, chacun partage au minimum même 30 à 40 groupes, et comme ça, je ne ferai pas, dans 1 minute, on démarre. Yes, quel prix. Dans quelques poussières de seconde, on va démarrer. Ce n'est plus pour longtemps, c'est bientôt qu'on va commencer. Merci, mon roi. Yes, Lord.
Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour notre enseignement d'aujourd'hui. Nous voulons faire un départ avec toi. Seigneur, nous voulons que tu nous instruises au travers de cet enseignement, que tu donnes la vie à celui qui en manque, une consolation, une éducation, soit notre éducateur, soit notre conseiller, soit notre mentor, soit tout pour nous, professeur, Seigneur. Remets-nous chacun à la bonne voie et restaure chacun au travers de cela. Au nom de Jésus, amen. Je salue tout le monde qui est dans cet auditoire de Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, l'Évangile de l'équilibre, qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Bien-aimés, aujourd'hui c'est notre quatrième séance sur les sujets et la dernière séance, parce qu'on va clôturer cet enseignement aujourd'hui. Nous avons d'autres sujets à développer et avec l'homme selon le Saint-Esprit la semaine prochaine. Et là, nous allons clôturer celle-là qui parle sur la reconnaissance. La reconnaissance. Bien-aimés, je vous ai parlé depuis le début les bienfaits de la reconnaissance, comment la reconnaissance renforce une amitié, comment la reconnaissance, bien-aimé, réjouit le cœur de la personne qui y attend ou qui réceptionne cet acte de bonté d'une personne qui y a reçu un service de la part de l'autre. Et c'est quelqu'un de reconnaissant, c'est une personne qui se sent bien-aimé, redevable à l'autre par rapport à tous les bienfaits que l'autre lui a fait. Du moment où quelqu'un te fait des choses, si tu as un cœur reconnaissant ou un esprit de reconnaissance, tu te sentiras que je suis redevable à cette personne-là. Parce que ce que la personne a fait, ça m'a restauré, ça m'a changé, ça m'a donné la nature que j'ai aujourd'hui. Bien-aimé, tu ne pourras pas résister. Puisqu'aujourd'hui, c'est la dernière séance, bien qu'on va rajouter une autre caractéristique importante et pour savoir la personne qui n'est pas reconnaissante, c'est, je demande à tout le monde vraiment d'être branché. Je vous ai dit que le plus grand danger de ne pas vivre son bonheur, le plus grand danger de ne pas vivre son bonheur, bien-aimé, c'est le fait de rêver un grand bonheur. Bien souvent, les personnes qui rêvent du grand bonheur ignorent les choses qu'on fait pour eux. Et ces gens, parce que du moment où ils ne voient pas ce qu'ils espèrent ou ce qu'ils désirent avoir, ils n'attirent pas attention à tout ce qu'on peut leur apporter. Même la nature, on doit être reconnaissant envers elle. Même Dieu, même entre nous les hommes, nous devons en être quoi? Reconnaissants. Je nous ai dit que, bien aimé, le manque de reconnaissance a changer ce monde. Le monde se brise. L'une autre des raisons importantes, c'est parce que l'ingratitude a pris plus la place que la reconnaissance. Je vous ai dit que l'irreconnaissance, c'est un des fléaux du temps de la fin. Parmi les fléaux que le Maître Jésus a énumérés, a cités, l'irreconnaissance fait partie des fléaux. Puisque la Bible nous dit ceci, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il cite entre autres, vos fils seront, et vous savez, rebelles à leurs parents, et tout ça, bien aimé. Et parmi tant, on a cité aussi l'irreconnaissance, ce qu'on dit, l'ingratitude.
C'est ce que, bien-aimé, nous vivons dans un monde, quel que soit le bien que tu fais aux autres, quels que soient les efforts, les temps que tu sacrifies au profit des autres, l'homme ne pourra pas voir ça. Pourquoi? Parce qu'un autre fléau, au chapitre 3 de Timothée et au verset 3, dès le début, le premier élément, la Bible dit, les gens seront insensibles. Une personne qui n'est pas reconnaissante est une personne qui est insensible, bien-aimé, à tout bon acte qu'on pose à son intérêt et pousse pour lui. Quel que soit tout ce que tu fais à la personne ne verra pas ça. Ce sont des personnes qu'on appelle des mécontents. Des mécontents, ce sont des personnes, bien-aimées, tout ce qu'on peut apporter à leur intérêt. Ces gens voient toujours, oh non, de telles personnes, ils ne font jamais espérer la reconnaissance envers eux. N'as-tu pas vécu à côté d'une personne qui est une personne mécontente tout le temps? Ce sont des gens mécontents. Ils n'ont jamais été contents de quelque chose. Si tu le fais, si c'est une raison, oh, tu l'as fait parce que les gens t'ont parlé. Oh, tu m'as donné parce que l'autre t'a parlé. Mais bien-aimé, à quel moment tu pourras être content aussi au bienfait des autres? Parce que tu es insensible et c'est ainsi que tu ne peux pas être reconnaissant. Bien-aimé, je veux vous ouvrir une chose. Vous savez, nous avons sur la terre, le nombre de personnes qui vivent sur la terre, elles sont qu'au nombre de deux. Hein? On n'a pas, si on demande à quelqu'un, on est combien sur la terre? Beaucoup de gens diront que nous sommes des millions ou des myriades ou des billions chacun ou des trillions. Et quelqu'un dira le nombre qu'il veut. Mais or, sur la terre, nous ne sommes que deux personnes. Les deux personnes qui existent sur la terre, c'est l'homme et la femme. Et vous savez, j'ai remarqué quelque chose sur les femmes. La femme, tu peux tout faire pour elle, du moment où elle est contente, et tu dis merci chérie, elle me dit cela. Mais lorsqu'elle est mécontente, elle est toujours, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Les femmes, vous connaissez ce que je dis, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Hein? À cause de ça que tu as fait, qu'est-ce que tu as découpé pour moi? Ça c'est... Oui. Donc, c'est une nature irréconnaissante. Et nous vivons avec des gens comme ça, qui blessent les autres. Mais vous savez combien de personnes qui sont blessées sur cette terre à cause simplement de l'ingratitude des gens. À cause de l'ingratitude des gens. Savez-vous combien de femmes sont devenues bien-aimées bizarres? D'autres femmes, même au point, ont décidé, moi maintenant, je vais me marier, mon bala mutazate, parce que mi bali baba tumabe, à cause de l'ingratitude même des hommes. Et combien des hommes aujourd'hui commencent à jouer avec plusieurs femmes parce que ces gens sont blessés dans la vie. Savez-vous qu'une personne est blessée blesse aussi les autres? Une personne blessée qui n'a pas été traitée, soignée, bien-aimée, aidée ou consolée, cette personne blesse aussi les autres. Je sais que, bien aimé, la reconnaissance n'existe pas. Parce que telle personne, une femme peut dire, ah, qu'est-ce que j'ai fait du mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme mal pour que cet homme me fasse ici? Excusez-moi. Cet homme agit comme ça. Peut-être dans son passé, cet homme a subi aussi l'ingratitude. Et il fait payer maintenant, bien aimé. Tu t'es marié avec une femme qui t'a monté un coup. Si tu vérifies peut-être l'histoire de cette femme dans son passé a vécu avec un homme qui était vraiment irréconnaissant. Cet homme, cette femme a tout fait dans sa vie. Mais cet homme l'a rendu la monnaie des singes. Et cette femme maintenant dans sa vie, elle fait subir les autres personnes. Bien-aimé, excusez-moi. Vous savez que l'irréconnaissance transforme le monde et rend des gens furieux. On avait vu avec vous l'histoire de Samuel chapitre 25, comment David était devenu furieux. L'irréconnaissance, bien aimé,
crée un monde de la haine, crée un monde, bien-aimé, de l'égoïsme, crée un monde disant que je ne peux plus rendre service aux autres ou aux gens parce que l'homme n'est pas reconnaissant. Et certaines méchancetés des hommes ne sont que provoquées par l'irreconnaissance ou l'ingratitude des gens. Bien-aimé, je sais que dans cet auditoire, il y a des personnes, chacun pourra me dire, chacune pourra me dire que, pasteur, je suis victime de telle chose. Il y en a beaucoup ici. Il y en a beaucoup, bien-aimés, qui ont été bien-aimés. Il y en a beaucoup qui ont été bien-aimés, victimes de l'ingratitude ou de l'irreconnaissance des gens. Vous êtes là. Vous êtes là. Et il y en a aussi de ceux-là qui sont coupables de faire le mal aux gens. Retenez ce que je vais dire. Nous avons tous besoin des gens pour réussir dans la vie. Bien-aimé, retiens ça. Nous avons tous besoin des gens pour réussir quoi? Dans la vie. Et si nous avons tous besoin des gens pour réussir dans la vie, c'est que chacun doit compter sur les autres aussi pour réussir. Et si chacun doit compter sur les autres pour réussir, c'est que nous devons être reconnaissants de cette machine qui est l'homme que Dieu a créé, en disant que s'il n'y avait pas telle personne, je ne serais pas à la position à laquelle je suis aujourd'hui. C'est ainsi que, à un moment, je vous avais dit une parole. Je nous ai dit que, bien-aimés, nous sommes tous le produit de la contribution des autres. Je nous ai dit que ce que tu es, c'est aussi la participation des autres. Et du moment où tu comprends que nous avons tous besoin des autres pour être ce que nous sommes, bien-aimés, tu vivras avec un sentiment de reconnaissance. Jamais 1101, jamais 1102, jamais 10 000, 100 000, 100, 110. Bien-aimés, nous sommes que la contribution des autres. Je vous ai dit une chose. On ne peut pas arriver s'il n'y a pas eu un départ. C'est ainsi que, bien-aimés, dans cette conclusion que je fais aujourd'hui pour clôturer cet enseignement, je veux que tu puisses me saisir encore très bien pour mieux comprendre. Retiens ça. Tu ne peux pas arriver dans une destination si tu n'as pas effectué un départ ou tu n'as pas connu un départ. Nous avons tous un départ. Et ce départ, il y a eu toujours les gens. Et si tu ignores le départ, c'est qu'il n'y a pas eu quoi? Une arrivée. Je ne peux pas dire que je suis arrivé si je n'ai pas effectué un départ. Là où je suis, je ne vais pas dire que je suis arrivé quelque part si je n'avais pas effectué un départ. Alors le départ, n'oublie pas les personnes qui t'ont permis d'aller là où tu es parti. Ton élévation ne doit pas t'empêcher à considérer d'où tu viens. Je vous ai dit, la base, c'est ce qui soutient la hauteur d'un immeuble, la fondation. C'est la fondation qui soutient la hauteur d'un immeuble. Ce que tu es devenu, il y a la fondation. La fondation, c'est les gens que tu vois en bas là, que tu vois sans rien. Mais ce sont des personnes qui t'ont permis, toi, l'immeuble, de pouvoir avoir la hauteur. Quel que soit le niveau que tu atteindras dans la vie, n'oublie pas ton parcours et d'où tu viens, les personnes qui ont été là comme les transports dans ta vie. Ma soeur, tu es en Europe, comme j'avais dit. Quel que soit ce que tu es devenu, aujourd'hui tu as des papiers, n'oublie pas. Tu sais, le mal qu'on fait aux autres, on finit par les récolter. Je voudrais dire à quelqu'un, apprenons à faire le bien aux gens. Apprenons à faire le bien. Parce que demain, toi, tu ne connais pas. Apprenons à être reconnaissants. Mesdames, je vais vous dire
un cœur reconnaissant. Vous savez, un cœur d'un homme reconnaissant, c'est un cœur rempli de joie, rempli de sentiments de bonté, rempli de sentiments de vouloir faire le bien aussi aux autres. Mais un cœur ingrat ou irreconnaissant, c'est un cœur rempli de murmures, rempli, bien-aimé, de mécontentement, rempli, bien-aimé, de la méchanceté et de l'orgueil même à l'intérieur. Bien-aimé, quand tu es à côté de quelqu'un qui est irreconnaissant, je vous ai expliqué déjà trois caractéristiques que vous avez vues et qu'on va évoluer encore tout à l'heure. On va constater la manière de se comporter de cette personne-là. On a lu avec vous Deutéronome chapitre 32, le verset 18. La Bible dit, tu as oublié les rochers qui t'a fait naître et tu as oublié Dieu qui t'a engendré. Vous voyez que la nature de l'homme est une nature, bien aimée, du reconnaissance. Même la personne qui t'a fait naître, bien aimé, quand on grandit, on pense comme si on était sorti comme ça. C'est comme si on n'a pas eu une fondation, un départ quelque part. Ceux qui négligent leur mère, ceux qui négligent leur père, ceux qui négligent leur frère, leur cousin, leur pasteur, leur ami et beaucoup d'autres choses. Nous sommes tous le pont pour le meilleur de l'autre. Ne sois pas une voiture dont le tuyau d'échappement laisse la fumée noire derrière pour embrouiller le chemin d'où tu es venu. On ne peut pas arriver sans un départ, mon bien-aimé. Il y a toujours un départ pour qu'on arrive quelque part. Et ce départ-là, c'est ce qui fait ta force. L'élévation ne vient pas à la hauteur. L'élévation a commencé toujours en bas, bien-aimé. Je ne peux pas dire que je suis élevé. La hauteur, bien-aimé, on parle de la hauteur par rapport à la surface de la terre aussi. À la surface. Je ne peux pas parler de ma hauteur. Et si j'ignore le sol, tu parles de ton élévation pendant que tu ignores la personne qui t'a élevé. Tu parles de ton équilibre pendant que tu ignores les gens qui t'ont donné la possibilité à être ce que tu es devenu. Tu parles de ton ministère pendant que tu ignores le rocher qui t'a engendré, le père spirituel, le monsieur qui t'a engendré par son canal. Tu parles et que je suis en Europe, tu oublies l'homme qui a déboursé son argent pour t'amener ici. Aujourd'hui, tu l'as quitté et tu préfères devenir femme seule. Tu crois toutes ces choses que tu fais et que tu t'échapperas de cela. Bien-aimé, les ingrats finissent par payer. Quand je dis finis par payer, tu diras, et moi, peut-être pas. Mais quand je dis toi, toi-même, c'est ta descendance, même tes enfants. On avait lu avec vous le livre de Lamentations. La Bible dit que nos pères ont péché, le poids de leurs fautes sont tombés sur nous. Bien-aimé, il arrive des fois. Nous payons le pot caché, nous payons les erreurs de nos parents, nous payons les erreurs de ceux de nos frères et sœurs et de la famille. Soyons reconnaissants, arrêtons de blesser. Femmes, combien de femmes ici en Europe, bien-aimés, ont fait du mal à beaucoup d'hommes? Combien de femmes ici en Europe ont fait souffrir beaucoup d'hommes ici en Europe? Combien de femmes? Combien de femmes, bien-aimés? Sans papier, l'homme l'aide aujourd'hui. Combien de femmes, bien-aimées, tu commences à sortir avec les voisins. Quand tu es arrivé, les voisins te regardaient. Mais n'est-ce pas même les voisins se moquaient de toi? Un blédard? On dit une blédard? Mais aujourd'hui, l'homme là t'a soigné. Tu commences à dédaigner cet homme, à regarder cet homme comme rien. Monsieur, hein? Je vous ai dit, cette fille t'a fait du bien. Tu connais le quartier où tu es né, la famille où tu es sorti. Grâce à cette femme, tu es aujourd'hui en Europe. Vous savez, il y a des femmes qui ont travaillé comme des hommes pour aider leur mari. Bien aimé, il est vrai aujourd'hui, on peut dire que
On a vu beaucoup de choses ici en Europe, les filles allaient se marier, les gens de théâtre. Bien qu'on peut condamner tout ça, mais ces gens aussi finiront par payer l'ingratitude. Soyons reconnaissants envers les biens. Le monde se fissure parce que les gens sont devenus insensibles aux bienfaits. Je vous ai dit que ce que nous remarquons et que nous constatons, c'est que la nature de l'homme que nous sommes, nous avons la facilité de garder plus dans nos cœurs le mal que les gens nous ont fait. Mais on a du mal de se rappeler des biens qui nous ont été donnés ou que les gens nous ont fait. Cette nature de choses, c'est dur. Dieu a pleuré à plusieurs fois. Parce qu'il nous arrive de dire, oh non, toi tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas, même si quelqu'un te fait comme ça, tu n'as pas à t'inquiéter, c'est comme si tu peux... C'est faux, je vous ai montré. Même Jésus était inquiet de voir que les personnes que lui avait guéries, ces gens ont été reconnaissants. Même Dieu a pleuré aussi dans la Bible. Je vais vous le faire lire, parce qu'il faut qu'on lise aussi. Allons-y dans les livres de Ésaïe, chapitre 1. Nous allons voir comment Dieu pleure de l'ingratitude de l'homme, que l'homme que lui a créé. Même Dieu se blesse, parce que notre Dieu, je vous ai dit, l'ingratitude est diabolique. L'irreconnaissance est diabolique, mais la reconnaissance est divine. Il ne faut pas oublier cela. Quand quelqu'un est reconnaissant, c'est qu'il manifeste une caractéristique divine. Soyons reconnaissants. Je ne t'ai peut-être pas apporté beaucoup dans ta vie, mais mon un là, ça fait de toi ce que tu es. Je dis, chacun de nous a besoin des autres pour pouvoir réussir dans sa vie ou avancer ou vivre. Il ne faut pas oublier ça. Je vais vous rajouter une caractéristique qui va bien expliciter les choses. Lisons. Ésaïe chapitre 1, bien-aimé, le verset 2, jusqu'au verset 3, écoute-moi ça. Ésaïe chapitre 1, le verset 2, jusqu'au verset combien? 3. Si vous partagez cela, Dieu vous bénira. Écoutez bien ça. La Bible dit ceci dans ce livre. Cieux. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu crie cieux. Dieu appelle le cieux. Il dit cieux, écoutez. Il dit terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai éduqué et j'ai élevé des fils. Écoute comment Dieu plaît. J'ai éduqué et j'ai élevé des fils. Mais ils se sont révoltés contre moi. Écoute le verset 3. Il dit, le bœuf connaît son possesseur. Oh mon Dieu, Israël ne connaît rien. Mon peuple ne comprend pas. Dieu, blessé de voir lui qui a engendré, vous vous souvenez de Deutéronome 32, le verset 18, il a dit, tu as oublié les rochers qui t'a fait naître et tu as oublié Dieu qui t'a engendré. Dieu, voyant que Israël l'a oublié, bien-aimé, Dieu s'est blessé dans les cœurs. Au point que, bien-aimé, puisqu'il est blessé, Dieu cherche des témoins pour les montrer combien Israël est irreconnaissant avec tout ce qu'il a fait. A oublié même que c'est lui qui lui a formé une nation. Il dit, si écoutez, terre prêtez l'oreille. Il dit, j'ai éduqué, j'ai fait ceci, mais ils m'ont oublié. Il dit, même le bœuf connaît son procès. C'est pour dire que même un animal, des fois, est reconnaissant avec celui qui est son maître. Combien des animaux protègent leur maître parce qu'ils savent que c'est eux qui les font manger.
Mais nous avons des gens aujourd'hui, surtout dans les églises, je vous dis, les églises, c'était les lieux où on pouvait trouver la consolation, mais c'est au contraire les lieux où lesquels des gens se brisent. Beaucoup de pasteurs ont des AVC, bien-aimés. Les mamans pasteurs aujourd'hui souffrent. Toujours. Oh, maman pasteur là, est mauvaise. Maman pasteur, bon. Hey! Toi qui étais hébergé dans la maison de ces mamans pasteurs. Toi qui mangeais là-bas. Bien-aimé, je vis déjà en Europe critiquer même des personnes qui les ont logées. Bien-aimé, oui, la personne est mauvaise. Oui, la personne t'a maltraité. Mais tu peux être reconnaissante. Ou reconnaissant. Tu t'es lavé là-bas. L'eau là, c'est lui qui payait. L'électricité, tu utilisais, c'est lui qui faisait. Pourquoi l'homme est devenu insensible de voir les bienfaits des autres et reconnaître la gentillesse des autres? Bien-aimé. Oh, quel... Tout ça. Bien-aimé, quatrième caractéristique, je vais vous le dire déjà. Parce qu'on a cité déjà... Trois caractéristiques. Première caractéristique, on avait dit quoi? Quand tu veux reconnaître cette personne n'est pas reconnaissante, tu vas remarquer que cette personne va dire toujours, oh, c'est par mes efforts, et moi, parce que j'ai fait ceci, voilà pourquoi j'ai cela. La personne ne va même pas faire mention que grâce à toi et que toi, tu as été le pont. C'est ainsi aujourd'hui, bien-aimé. D'autres personnes, même si elles connaissent Dieu, elles ne veulent pas t'ouvrir. J'ai dit, on a fabriqué des méchants pour de notre ingratitude. Derrière nous, on a laissé la fumée noire. Ceux qui viennent après, bien-aimés, souffrent à cause de nous. Vous savez, les personnes blessées blessent même des innocents parce qu'on les a blessés du moment où ces personnes n'ont pas été soignées. Pourquoi ton véhicule, bien-aimé, fait l'entretien de ton véhicule pour que ça donne une bonne fumée? Tu donnes la fumée noire pour que ça arrête la fumée là. C'est la pollution. C'est la pollution, bien-aimé. Aïe, 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 aïe. C'est la pollution. Bien-aimé, vous voyez la pollution que vous avez donnée. Quelle méchanceté. Beaucoup de gens sont devenus bizarres à cause de nous. Et ceux qui viennent après souffrent. Même les hommes, bien-aimé, un homme qui a épousé une autre femme pensant que non, cette femme va et tout ça. La femme là te fait du mal parce que c'est une femme qui a été maltraitée par l'ingratitude d'un homme. Cette femme était une bonne. Mais il y a des gens aujourd'hui, on peut appeler des mauvaises personnes, mais pourtant elles étaient des bonnes personnes. Ce sont les mondes, les gens, c'est ce monde là qui les a transformés. Mais je conseille aux enfants de Dieu, restez à la nature de Dieu. Je sais que c'est dur, mais faites de votre mieux d'être reconnaissant, s'aimer les biens pour que vous les récoltiez. Bien-aimé, ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu avais fait hier. Si tu es heureux aujourd'hui, parce que tu as sémé hier, même en pleurant, mais tu faisais le bien. La Bible dit, celui qui sème avec larmes, moissonnera. Que personne ne te trompe. Bien-aimé, on a droit de se réjouir lorsque les gens sont reconnaissants avec nous. Ceux qui vous disent là, oh non, toi tu es l'enfant de Dieu, pourquoi? Non, Dieu lui-même il s'y plaît. Je vous ai montré dans Luc chapitre 17, le verset 11 à 19. Jésus aussi, à la nature de Jésus, il s'est plaint de l'ingratitude. Et je vous ai dit, Dieu est reconnaissant lui-même. Hébreux 6, 10, je vous ai parlé. Mais si Dieu se blesse lorsque les gens sont irreconnaissants, et alors l'homme, vous savez combien de blessures que vous avez laissées aux gens? Tu arrives dans une église, oh, pourquoi les pasteurs là veulent toujours faire tout seul? Bien-aimé, avant de condamner quelqu'un, cherche à te former sur l'histoire. Il y a des personnes, bien-aimées, qui sont des victimes, bien-aimées, de guerre, qui sont des blessés de guerre, et qui étaient des bonnes personnes, qui recevaient tout le monde. Mais il y a des gens qui les ont poignardés dans le dos. Oh, pourquoi ce pasteur n'invite pas les gens pour venir prêcher chez lui? Il le faisait peut-être. Mais il y a eu des gens qui oublient le bonheur, bien-aimé. Tu es connu grâce à l'autre. Pourquoi tu dois détruire la personne qui t'aide à connaître l'autre? Et toi aussi qui fais ami avec une personne qu'on te l'a présentée, vous détruisez la personne qui a été votre quoi? Un lien pour te connaître. Même toi, tu ne trouves pas que non, la personne là, elle est mauvaise qui s'approche de toi. Mais si toi tu agis à sa manière, tu ne doutes pas que toi tu seras mauvais.
l'exemple. La sœur Evelyne se connaît avec la sœur Naomi et la sœur Evelyne se connaît avec pasteur Johanna. Naomi ne connaît pas le pasteur Johanna. Et Evelyne prend Naomi, elle la présente chez le pasteur Johanna. Naomi arrive là-bas. Maintenant, Naomi commence à ignorer Evelyne, à insulter Evelyne. Et toi, maintenant, le pasteur Johanna, du moment où tu acceptes d'écouter des choses comme ça, c'est que toi aussi, tu es irreconnaissante et c'est que tu as fait du mal aussi à qui? À Evelyne. Les deux là sont mauvaises dans cet angle-là. Mais la personne ne reconnaît pas, va dire à l'autre, oh, mais pourquoi tu parles comme ça d'Evelyne? Parce que Johanna pourrait parler comme ça. Naomi, mais c'est, si moi je te connais, c'est grâce à Evelyne. Mais nous ne trouvons plus des gens comme ça, bien aimé. C'est devient rare. Il monte un deal, il commence maintenant à te faire du mal. Le monde est devenu méchant. Le monde est devenu méchant. Tu présentes un ami, ta femme, et ce monsieur-là commence à courir derrière ta femme. Commence à courir derrière ta femme. Tu ne sais pas, tu es berger. Un frère à la maison. Commence à draguer ta femme et tes enfants. L'ingratitude, bien aimé. L'irreconnaissance, les gens ne sont plus reconnaissants. Tu élèves un enfant, cet enfant te monte un coup, cherche à te faire du mal à l'autre. Ça t'écoute quoi? J'ai dit, bien aimé, la reconnaissance est une caractéristique des leaders, des grands leaders, des hommes, des grands esprits, des grands hommes. Mais l'irreconnaissance, c'est pour des petits esprits. Des petits hommes. Dieu dit, si écoute, vous savez, il y a des gens aujourd'hui, à cause des blessures, de l'ingratitude, d'autres commencent à monologuer au point que les gens parlent, hé, Moukili, pourquoi les gens sont comme ça? N'a vraiment la vie, certaines personnes ont pris des décisions, moi dans ma vie, pour vraiment aider l'autre là, pour faire ceci. Mais or, les personnes que tu ne veux pas aider sont des innocentes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des irreconnaissants, il en reste encore un petit nombre de gens qui sont reconnaissants. Tu as continué à faire le bien à tout le monde. Conseil, je te dis. Et si toi, tu as été irreconnaissant, bien aimé, c'est le moment de changer. La reconnaissance paye. La reconnaissance ouvre le chemin du bonheur. La reconnaissance, bien aimé, élève. La reconnaissance, bien aimé, fait du bien là où tu passes et là où tu es. La reconnaissance, bien aimé, peut consoler un cœur. La reconnaissance peut guérir quelqu'un. Si la personne dit, toi, moi, tu es reconnaissant, tout le monde dit que je suis mauvais. Tu sais le bien que tu as fait. Bien aimé, soyons des médecins qui soignent les autres en se sentant redevables aussi au bien de ces gens. De disant que non, cette personne m'a fait ceci. Je vais lire avec vous 2 Samuel chapitre 9. En voyant comment il y a un homme, bien aimé, qui s'est rappelé des bienfaits comme David. Bien-aimé, ne prends pas un nom de la Bible en disant simplement que je suis l'homme selon le cœur de Dieu pendant que tu es ingrat. Vous savez, bien-aimé, j'ai dit, on ne peut pas parler de la volonté de Dieu du moment où on ne sait pas comment être reconnaissant. Tu as tout le temps, bien-aimé, il y a des gens qui insultent les autres. Mais si tu te poses la question, tu cherches à t'informer, cette personne, le niveau qu'elle a aujourd'hui, c'est grâce à la personne qu'elle insulte. C'est grâce à la personne qu'elle insulte. Mais, bien-aimé, changeons, écoutons. J'aime la parole. Je vous dis, j'aime la parole. Deuxième caractéristique, on avait dit quoi? On avait dit, bien-aimé, une personne à reconnaître qui n'est pas reconnaissante, c'est une personne, bien aimée, qui voit qu'il a droit. Ce que tu lui as donné, c'est son droit. Le service que tu lui as rendu, c'est son droit. Bien aimé, quand quelqu'un se fait le droit de tout, cette personne n'aura pas le sentiment de reconnaissance, de dire merci ou tout ça, parce qu'il croit que c'est comme ça. Il faut le faire pour moi. Mais non, bien aimé. Ce qu'ils font pour toi, c'est parce qu'ils disposent de leur cœur dans le bon sens pour te faire du bien. Même Dieu, je vous ai dit, qu'il crée le vouloir le faire à nous, il est reconnaissant lorsque nous agissons. Écoutez ça. Troisième, on avait dit,
Les personnes qui ont toujours l'habitude de dire quand tu leur rends service et la chose se réalise. Oh mon Dieu, je savais que Dieu m'aime. Ça c'est tout ça, c'est mon Dieu. Je suis fille et fille de la promesse. Oh moi, je suis garçon de chance. Mon Dieu me connaît. Moi je suis fille de chance. Ce sont des ingrats. Nous savons tous que bien aimé, tout ce que nous avons c'est grâce à Dieu. Mais Dieu travaille avec les hommes comme je vous ai dit. J'avais parlé sur le ministère. Moi je suis homme de Dieu selon la volonté de Dieu. Mais il y a eu un homme qui t'a aidé à être là, son clair. Tu ne peux pas arriver sans un départ, bien-aimé. Tu ne peux pas être grand s'il n'y avait pas eu de petites choses. Arrêtez ça, ça c'est pas connaître Dieu. La volonté de Dieu, je vous ai dit, à être 5, verset 18, il y a aussi la reconnaissance. Tout celui qui n'est pas reconnaissant, c'est qu'il ne marche pas dans la volonté de Dieu. Même Dieu s'est plaint de l'ingratitude, même de l'homme qui l'a créé, Israël. Réveillons-nous. Faisons en sorte que le monde soit bien aidé. Est-ce que nous allons trouver encore des personnes reconnaissantes? À cause de la sensibilité de il y a des femmes que nous voyons dans certains couples. Ces femmes vivent, mes bien-aimées. Simplement, quand vous les voyez, mais elles sont déjà mortes. Ces femmes pleurent chaque jour. Malgré tous les biens qu'elles font et qu'elles ont fait. Mais, ils n'ont pas reçu la bonne récompense. Maltraitées. Injurié de tous sens, humilié, rejeté. Et les hommes commencent à voir ailleurs, négligé. Et les hommes, certains hommes ne donnent pas de respect. Mais pourtant, ces femmes ont beaucoup contribué dans les meilleures de ces hommes. Il y a un langage français qui dit: derrière un grand homme se cache une femme forte. Une femme forte. Je nous dis, bien-aimé, celui qui oublie la reconnaissance, celui qui n'est pas, qui oublie le bienfait de quelqu'un, c'est un petit homme. Un grand homme, ça ne le gêne pas. De reconnaître les biens. Entrons directement au quatrième élément, comme on va clôturer aujourd'hui. Quatrième caractéristique pour reconnaître que cette personne, elle est de nature irreconnaissante et à se méfier. Bien aimé, je nous ai dit ceci. Si tu n'es pas reconnaissant d'où tu viens, tu ne laisseras pas là où tu vas. Parce que d'où tu viens a fait de toi ce que tu es et ça t'a donné un départ. Et si tu ne reconnais pas ça, tu ne laisseras pas là où tu vas. Tu veux être reconnaissant, reconnais d'abord d'où tu viens, ce qu'on a porté pour toi. Ah, oui. Je vois des hommes qui ont perdu leur autorité à la maison. Certains hommes n'arrivent plus à parler. Parce que nous vivons dans un pays, lorsqu'il y a un souci, on dit toujours j'appelle la police. Et la femme aujourd'hui qui dit j'appelle la police, elle connaît où est-ce qu'on l'a ramassé. Et cette femme a rendu cet homme impuissant. Parce qu'aujourd'hui, elle est dans la position. J'en ai vu aussi sous ces soleils, surtout dans ces continents que nous sommes en Europe. L'homme a fait venir la femme et a fait tout que la femme puisse déclarer l'enfant pour quelle est la situation.
Et du moment où la femme se voit équilibrée, la femme commence à jouer avec cet homme. Et quand l'homme parle, et si tu veux papa, hey, je préfère rester à l'aise, là tu commences à me... tu deviens un poids pour moi. Quelle ingratitude. Il y a des hommes bien-aimés qui sont malheureux. Et certains gens que nous voyons marcher à la route en train de parler ne te manquent pas de ces gens. D'autres, c'est le monde qui les a rendus des monologues en train de parler tout seul. D'autres personnes bien-aimées qu'on voit dépasser, ne les critiquent pas. Tu ne sais pas d'où cette personne vient. Elle était une bonne personne. C'est le monde qui lui a rendu l'ingratitude, les reconnaissances. Quatrième caractéristique de personne à savoir et à éviter qui sont irreconnaissantes, c'est les gens que tout ce qu'on fait pour eux, ils disent, c'est rien du tout. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Comme je vais te donner l'exemple au début pour vous faire comprendre que ce qu'on va développer. Savez-vous que quand tu vois quelqu'un qui minimise tout ce qu'on lui apporte comme aide, bien-aimé, ne te dérange pas à perdre ton énergie pour chercher à réjouir le cœur de cet homme-là. Car quelqu'un, bien-aimé, se met toujours à ignorer, à minimiser. Qu'est-ce que tu as apporté? Un héros, c'est quoi? Bien-aimé, un héros, c'est quoi? Qu'est-ce que tu m'as donné là? Tu vois des graves là? Qu'est-ce que tu m'as donné? Papa, tu sais, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu peux marquer un héros. Hein? Cela m'est arrivé une fois, hein, une pompe de sens ici à Orléans. Bien-aimé, j'arrive pour acheter les carburants, comme par hasard. Vous savez, des fois, par méga, ça dépasse. Et ça dépassait de quelques centimes. Je cherche dans la voiture le dépôt de centimes, il n'y avait plus de centimes. Je regarde dans ma voiture et dans mon portefeuille, il n'y a plus de centimes. Bien-aimé, la personne que j'ai trouvée à la caisse me dit, monsieur, tu vas donner l'argent. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que je peux vous donner ça? Je repasserai pour donner les centimes. Il dit, mais si vous ne donnez pas, j'appelle la police. Écoutez, la personne m'a dit, elle va appeler la police à cause des centimes. Il y avait un monsieur derrière moi qui me dit, ça vous manque combien? Je lui ai dit, ça me manque 7 centimes. Il me dit, tenez ce 10 centimes. Bien aimé, à cause de 7 centimes, je me suis senti mouillé. Parce que le caissier commençait à parler à haute voix. Au point que les gens comprirent que moi, je n'ai pas l'argent pour payer. Mais à la fin, j'ai remis à cet homme 3 centimes, il me dit, mais non, ne prenez. Après, je lui dis, merci beaucoup, merci. Il me dit, mais c'est rien. Je lui dis, non, c'est pas rien. Tu n'as pas vu comment il me parlait. Ce qui semblait être rien, mais c'était important. Mais il y a des choses que tu appelles rien. Je vis déjà ici en Europe en train de dire à d'autres personnes qui les ont fait venir, hey, si tu veux, je vais te rembourser ton argent. Bien-aimé, toi, aujourd'hui, tu parles de rembourser l'argent de ta grande sœur, de ta cousine, de ton mari et de ta femme ou de quelqu'un d'autre. Toi, tu veux rembourser? Oh, c'était combien l'argent que tu as dépensé pour moi pour venir? C'était 3000 euros. 3000 euros, c'est quoi? Sur mon compte, j'ai plus de 20 000 euros. Mais le compte là que tu te vantes, la base, c'est le monsieur que tu insultes ou la femme ou la sœur ou le frère que tu insultes. Oh non, tu commences à dire, mais la personne, tu me parles, tu es jaloux. La personne n'est pas jaloux de toi. C'est toi qui n'es pas reconnaissant. Je vais rembourser son argent. Bien aimé, ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas la même valeur, tu dois le savoir.
sera jamais. Mais vous savez qu'il y a d'autres personnes de la famille, on dit que oh, toi, ta famille souffre en Afrique, pourquoi tu ne fais plus appeler depuis que tu as appelé les autres? Vous ne savez pas l'ingratitude d'autres, de ses frères, de ses cousines, peut-être de ses... Peut-être la transformer. Il y a des personnes qui sont transformées à cause de l'ingratitude. Je vais rembourser. La femme qui dit à l'homme qui veut quitter, dit, l'homme là, toi aujourd'hui tu me dis ça. Hé, hey, qu'est-ce que tu as fait là? Si tu veux, je vais te rembourser. Tu sais combien? L'argent c'est quoi pour moi? Bien aimé, tu sais, du moment où tu étais en galère, tu manquais 1 euro. Si aujourd'hui même tu as 10 000 euros, ne minimise pas les 1 euro qu'une personne t'avait donné au moment des galères. Ne dis pas c'était rien. Mais les gens qui disent des choses comme ça, ça ne sert à rien de les rendre pour service. Parce qu'ils ne vont jamais vous reconnaître. Ils ne seront jamais reconnaissants. Mais la seule chose, je dis aux chrétiens, continuez à faire le bien. Dieu va le payer. Dieu va le payer. Je sais que beaucoup sont blessés. Et là, qu'on dit, non, grave, qu'est-ce que tu as fait pour moi pour parler? C'était rien du tout. Oh, Marco, pas, je t'appelle. Tu sais ce qu'il dit là? C'était rien. C'est que 20 euros, il parle beaucoup de 20 euros. Bien aimé, moi, les 7 centimes qu'on m'a aidé, une fois encore, un frère ici qui prie à l'église, une église ici à Orléans, on s'est croisé avec lui dans un magasin de parfum à Orléans. Je n'avais pas regardé le prix du parfum. Comme j'ai aimé l'odeur, j'ai pris. Mais pourtant, dans mon portefeuille, j'ai manqué 7 euros. Vous voyez le problème avec les chiffres 7. J'ai un problème avec les chiffres 7 là. Il faut que j'arrive à résoudre ça. J'arrive à la caisse. Je donne l'argent. On me dit, ça manque. Moi, je ne... Pourquoi ça manque? On montre les prix. Waouh. Mais là, madame, donnez-moi, je vais remettre. Ou sinon, directement, les frères la vie. Non, pasteur, tu veux ça? Moi, j'ai dit, je vais. Non, ça m'a combien? Il fait sortir l'argent. Il rachète. Bien aimé, ça pourrait paraître rien de par rapport à ce que moi, j'ai fait sortir. Mais son argent, c'est ce qui m'a permis à être en possession de ses parfums. Bien aimé, il y a des choses. Oui, on a connu une coupure, mais on est là. Bien aimé, révélons. Écoutez, je voudrais qu'on lise un peu un verset pour cette caractéristique. Il y en a d'autres caractéristiques, mais bon, comme Dieu m'a convaincu d'arrêter aujourd'hui, on va arrêter aujourd'hui. Lisons Luc chapitre 16, le verset 10. Parce qu'il y a la lecture et les explications ici. Luc 16, 10. J'aime la parole. Luc 16, 10. Quelqu'un peut marquer ça? Marquez-nous Luc 16, 10. Écoutez ceci. Le livre de Luc 16, verset 10, nous dit ceci. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Écoutez-moi. Et celui qui est injuste en peu de choses, celui qui est injuste en peu de choses, est aussi injuste dans ce qui est important. Je recommence Luc 16, 10. Parce que nous parlons de la caractéristique de la personne qu'on peut reconnaître qu'elle est irreconnaissante, les personnes que tout ce que vous lui rendez comme service, minimise cela. C'était quoi? C'est rien du tout. Qu'est-ce que tu vois de grave? On se fait nous nos piscines, la chemise, les amignons. Avec tout ce que moi je gagne. Et moi, je peux acheter ça aujourd'hui. Hey, tu me donnais cet avant. Maintenant, c'est mon tour. Mais non, bien-aimé. Sois souple et reconnaissant. La Bible dit dans Luc 16, 10, écoutez, je recommande. Celui qui est fidèle en peu de choses, en peu de choses, est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est juste en peu de choses, qui est injuste en peu de choses, est aussi injuste dans ce qui est important. Bien aimé, si quelqu'un n'arrive pas
à être reconnaissant aux petites choses, crois-moi, la Bible a raison. Il ne laissera pas aux grandes choses. Tout ce que tu as fait pour, et la personne ne reconnaît pas. Pourquoi ignores-tu? Oh, dans cette église, qu'est-ce qu'on a fait pour moi? Bien-aimé, on t'a aidé. Il y a certaines sœurs qui t'ont hébergé. Il y en a d'autres même que tu as travaillé avec lui. C'était quoi? Moi, aujourd'hui, j'ai acheté. Mais même si tu achètes une villa, tu n'as pas cette villa si tu n'avais pas dormi chez l'autre. Le temps passé chez les autres nous ont permis à nous constituer. Nous ont donné la forme et que nous en avons aujourd'hui. C'est ainsi que je dis aux gens. Apprenez dans vos vies à être reconnaissants. Surtout dans les milieux des chrétiens. Les païens, je peux comprendre, parce qu'ils n'ont pas Dieu. Toi, tu dis tu as Dieu. Sois reconnaissant. Ta femme sort, t'apporte même, bien-aimé. Bien-aimé. Même si tu achètes simplement un débardeur, sois reconnaissant, merci chérie. Sœur, ton mari ne gagne pas beaucoup le peu qu'il t'a donné. Oh, mon balle, on m'a dit, qu'est-ce que tu m'as donné comme argent? Toi, tu as l'argent, toi. Il y a des femmes qui parlent même. Tu as quel argent tu peux parler? On parle des hommes qui ont l'argent. C'est ton mari. Tu vis avec lui. Ce que tu as, c'est grâce à lui. Même s'il n'a pas l'argent comme le voisin, même les autres, ne les compare pas. Sois reconnaissant aussi au soutien de ta femme. Même aux choses. Mais nous, surtout, maintenant je reviens à nous les hommes. Hein, parce que je vais parler des femmes. Les femmes, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et les hommes. On a un problème même si nos femmes font quoi? Et toi, tu n'écoutes pas. On a du mal à dire merci. On a du mal à reconnaître. La reconnaissance, bien-aimé, couvre les défauts aussi des autres. David a couvert les défauts de Saül. Alors, à la fin, je vais nous dire une chose. Philippiens chapitre 4, verset 6, notez-les pour vous, parce que je n'ai pas le temps de lire. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Arrêtez de vous inquiéter. Dans toutes choses, faites connaître à Dieu vos problèmes par des prières, des supplications et des reconnaissances. C'est ce que la Bible dit. Notre version dit des actions de grâce. Action de grâce, c'est le fait d'être reconnaissant. Je sais qu'on t'a blessé. Je sais, tu vis, mais tu as beaucoup de regrets. Je sais, tu es devenu réservé ou tu commences à éviter les gens parce qu'on t'a beaucoup fait du mal. Je sais, tu as aidé beaucoup de gens dans la vie et ces gens, en retour, t'ont fait du mal. Je sais. Je sais. Que même ta propre sœur t'a fait du mal. Je sais celui, là aussi t'a fait du mal, tu souffres. Mais une chose tu dois savoir, que si tu souffres comme ça, c'est parce que tu aimes cette personne. Si tu ne l'aimais pas, ça n'allait rien te faire. Ceux qui nous ont été ingrats en cours de route ou de la vie, d'autres, qu'on a rencontrés en passant, ça ne nous a pas blessé parce qu'on dit, on dit toujours minimise, on dit ah mais elle était. Moi je l'ai aidé même s'il dit c'est n'importe quoi. Mais ce qui nous font mal plus, c'est cela qu'on a aimé. Si Jésus-Christ, dans Luc 17, a eu mal, parce que vous savez que Jésus est l'expression de l'amour. Jean 3, 16 disait, car tu as aimé le monde, il a donné. Pour cet amour qu'il était venu pour mourir pour les gens, pour guérir.
Il ne s'y attendait pas que je donne l'amour à ces gens. Pourquoi il doit me faire ça? Oui, on ne souffre simplement de la personne ou de la chose que nous aimons. Si Dieu aussi a pleuré, a demandé, a cherché même des gens pour pouvoir voir ce que son peuple a fait, c'est parce que Dieu est amour. C'est parce qu'il aimait Israël. Il a aimé son peuple. Et l'amour couvre tout. Je dis aux véritables chrétiens ici, oubliez et couvrez ça. Et je vous dis aussi en retour, si vous avez senti la douleur de l'ingratitude des autres, apprenez aussi en retour d'être reconnaissant envers les autres. Parce que la Bible dit, ne fais pas l'autre ce que tu n'aimeras pas qu'on te le fasse. Vous le savez. Vous ne voudrez pas qu'on soit irréconnaissant envers tout ce que vous faites et ne le soit pas aussi pour les autres. C'est ainsi que j'avais donné une citation en disant, celui qui veut recevoir l'amour ou le sentir doit savoir aussi le partager avec les autres. On avait lu avec vous le livre de Luc chapitre 6, le verset 38 qui nous disait, donnez, l'on vous donnera. On versera une mesure, même serrée, à celui qui donne. Bien-aimé, on mesurera chacun selon la mesure qui mesure les autres. Frère, sois reconnaissant. Pasteur, sois reconnaissant envers les fidèles. Fidèle, sois reconnaissant envers les pasteurs. Vous êtes là parce qu'il y a ces pasteurs. Et pasteur est là aussi parce qu'il y a les fidèles. Ce que tu es devenu, n'oublie pas cet enseignement. C'est grâce aussi aux autres. Ne minimise pas ce qui est resté en bas du moment où toi tu es élevé. Tu es soutenu. On parle de ton élévation par rapport aussi à la surface. La hauteur n'existe jamais s'il n'y a pas la surface. Bien-aimé, tu es grand parce qu'il y a des gens qui te soutiennent en bas. Nous tous, nous avons besoin des autres. Mais t'en fous pas. Vous avez entendu quatrième caractéristique. Le fait de minimiser et de s'en foutre les gens. Je m'en fous. Je m'en fous de lui. Bien-aimé, ne t'en fous pas. Si tu as quelque chose à regretter, fais-le bien, regrette. Mais t'en fous pas de la personne. Parce que nous connaissons toujours l'autre grâce aux autres. Nous sommes arrivés à cet endroit parce qu'il y a eu quelqu'un toujours. On est devenu ce qu'on est parce que quelqu'un a participé. Nous sommes les produits de la contribution des autres. N'oublie pas mes mots. Tu es devenu ce que tu es devenu grâce à la participation des autres. Et retiens ça. Quand tu te souviendras de cela, n'oublie jamais les rochers qui t'a fait naître. Celui qui t'a donné la naissance pour être ce que tu es, qui t'a donné la possibilité de voir tout ce que tu vois et de vivre ce que tu vis, ne l'ignore pas. Tous les honneurs que tu as aujourd'hui, c'est grâce aux gens. Que Dieu vous bénisse. J'avais beaucoup à dire aux caractéristiques, mais si vous fouillez bien dans mes YouTube, vous allez trouver ça. À un enseignement que j'ai parlé, j'ai cité plus de caractéristiques pour reconnaître des personnes ingrates. Mais pour la reconnaissance, on s'arrête là. Demain, nous avons nos veillées. Écoutez les annonces. On a la veillée à l'église France pour Christ d'Orléans et on a la veillée à l'église France pour Christ aussi de Boussy et Rony, mais toutes les églises vont se retrouver à Rony. L'adresse de Orléans,
c'est 9 rue du Troussé 45800 Saint-Jean-de-Bray. La Grèce de Rony, 115 boulevard d'Alsace-Lorraine. Et l'autre adresse aussi, parce qu'elle a deux entrées, 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. Code postal, c'est 93-110 Rony-sous-Bois. Toutes les deux églises, pour la veillée, les portes seront déjà ouvertes, ou plus tard, 22h sont déjà ouvertes. Et à minuit, nous démarrons jusqu'à 3h. Ne ratez surtout pas de tels moments de sacrifice. Bien-aimés, la force de notre tête dépend des sacrifices. N'oublie pas ça. Je vous aime et retiens pour au revoir. Tu es libre de choisir qui tu veux être. Tu veux être quelqu'un de bon, tu es libre de choisir. Tu veux être méchant, ça dépend que de toi. Tu veux être reconnaissant, ce n'est que toi. Tu veux ne pas l'être, ça dépend de toi. Tu veux changer ton comportement parce que le monde t'a trahi, ça dépend de toi. Nous sommes ce que nous voulons être. Et nous devenons ce que nous voulons. Ce que ta vie prendant simplement la direction que tu la donneras. N'oublie pas. Que Dieu vous bénisse. Avec moi, pour que la lumière soit. On se retrouve la semaine prochaine pour que la lumière soit. Mais à minuit, n'oublie pas, vous avez au milieu de la nuit, avec la servante du pasteur Lydie Koumou, priez sans cesse. Bye. Que le Seigneur vous bénisse. Et demain, à la vie.